l'homme avait dévoilé ses secrets, que son point fort était sa femme. Okay. Parfois aussi, le diable aussi a en profité. Okay. Ça, je ne sais pas. Mais si la maman dit, donnait déjà des messages d'adieu, des messages d'adieu, je dirais, comment dirais-je, dans ma solo, ma distraction. Ouais, ouais. C'était peut-être un homme de Dieu à discerner message. Mais pourtant, lui, il avait dit à la femme que non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi tu dis ça? La femme a dit que c'était juste une question. Il a dit, il faut retélémer l'esprit, Wana. Ce n'est pas un bon esprit. Alors que le pasteur Marcelo, qui avait demandé à sa femme de retélémer l'esprit, lui-même n'a pas assez retélémé la rencontre. Parfois, je vais aussi demander à nos pasteurs, moi, maîtrise Pézala. Parce que... Et ça, on peut bel et blessé à la prédication de ma pasteur. C'est ça. Il y a surtout, aussi des choses comme ça. Surtout, il y a pasteur Marcelo. Marcelo, pas combien de temps, il conflit presque. Et puis, il disait tout haut à l'obi, moi, je sais la vérité, haïssez-moi si vous voulez. Voilà. Si vous allez m'aimer, aimez-moi. Si vous allez m'haïr, haïssez-moi. Malgré ça, la mort de sa femme, et ça, occasion, t'es pour que tu sais qu'a passé Marcelo. C'est ça. Peu importe ses défauts, ses erreurs, mais tant sa femme accoufie, elle a l'occasion de humilier, de dénigrer, pasteur. Non. Tu peux sa merci à Dieu Tout-Puissant. Okay. Tout. Okay. Mais le copain, je crois, il peut ça qui peut famille Marcelo, Passi, ou bien Kanda, ils ont dit à Denis Lessi. Ah bon? Quand on a donné ça, on a eu l'opération, la chirurgie, et ça a créé la tension, ça a créé l'incompréhension. Et les gens maintenant commencent à se méfier dans les youtubeurs. Parce que ma camo de Saloba qui est où tu as une YouTube. C'est ça. Alors on a tout résumé que ah bah chronique bah ça là bon bah loba. Donc méfiance c'est qui m'a cassé. Mais après je me suis dit tu as aussi oublié beaucoup de prophètes bah pèse ma prophétie dans Simaléo. C'est ça. Ma prophète mais bélé bah pèse ma prophétie. Quand mon maman vient un bon moyen bah pèse les prophéties. Même dans leur église là. C'est ça. Aucune révélation, aucune prophétie. Aucun message. Il y a même une dame qui a dit que non, elle saura ressusciter la maman. Soit disant, la maman était partie avec une grossesse d'un mois. Et non, il y a un prophète qui a dit que maman Bimile Nandoto a ébi se kakoufi nazi ma un mois. T'as la dimension qui nous dit. Si vous avez maman un mois, parce qu'il faut pas ça animal long ou l'ango. Non, non, dans le sens que il veut nous embrouiller que maman koufi un sous dans Zemi. Voilà. Vous comprenez? Donc, Congolais Baza, prêt à tout. C'est ça. Équilibre Télévision, une maison qui a choisi de vous accompagner avec de belles émissions. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde entier, j'ai le réel plaisir de vous savoir tellement nombreux. C'est Naomi Ayab à la présentation de cette émission. Je suis sur Équilibre Télévision. En tout cas, un jour après l'enterrement de la grande dame, Maman Blanche Tounassi, la servante de l'Éternel, qui a combattu un bon combat aujourd'hui, Dieu a accepté de l'appeler na félicité naïe. En tout cas, on va essayer d'analyser un peu certains faits. Oh, ils ont toujours tourné autour. Il y a matin la Maman Blanche Tounassi, ou dans la Kibongo, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi de l'Église de la Compassion. Et aujourd'hui, na rosmeka un peu tout solo là, Jérémy Lumba, bango bazali bato yo, ba compagnie qui penza bobseke wana ko banda jour maman akufaki. Si matangé na Kinshasa, ndenge bande ko sa ba recueillement même na Boboto, na l'église de la Compassion, ba Jérémy Lumba était toujours là na Katia Rolanda a toujours l'information à la loupe, comme ça a toujours été les cas naba événement Moussous. Alors, on va essayer d'analyser certains faits, de dire de gens par rapport à la circonstance de la mort de cette dame. Et bébé maman Blanche Tounassi, c'est comme si c'était un pasteur. Il y a un grand renommé Ndenga Akufaki. Donc, c'est-à-dire que aux hommes, on a un pasteur va outils des parts et d'autres, même Nakata Kinshasa, Batoubaya qui pensa pour nous rendre dernier hommage à la servante de l'Éternel, Maman Blanche Tounassi. Alors, déjà, comme je vous ai annoncé, c'est avec Jérémy Lumba qu'on va essayer d'analyser certains faits. Il est mon invité. J'ai déjà l'épicier. Mbote Péboye, Madame Jérémy Lumba. Mbote, Maman Naomi Ayaba, merci beaucoup pour ces moments. Je crois qu'on est là pour donner notre point de vue et également parler quand même de ce qui s'est passé sur l'actualité. Okay. Déjà, tu l'as annoncé. Les obsèques, Maman Blanche Odia Kandolo Tounassi. Et voilà, cette disparition brutale, inopinée, nous a tous laissés sans mots. Okay.
on a été touché et voilà, tu as accompagné à Guy Bobsek. Mais il y a eu beaucoup de choses autour de ça. C'est ça. Et poser tes questions, on va te répondre. Alors, merci beaucoup, Jérémy Lemba. Ça sera peut-être une première question parce que la question de curiosité. Tout le monde est maman Koufaki. Matanga yé, tout le monde est quand même bas image. Mais oh, tu as qu'à découvrir le lendemain, il y a arrivé à Kor, il y a maman Nakati, il y a Ville-Provence à Kinshasa, après côté on a morgue, bandeko bandeko kendeko luka kozo bas image, parce qu'il faut d'abord chasseur d'image. À chaque fois qu'il y a un événement, tu nous caras toujours pour accompagner Batou, bah surtout biso, bah tout ça là, Nakati à YouTube, bah l'andarabiso partout à travers le monde entier, tu yébi en plaire au YouTube à Galapanango, et beaucoup de gens attendaient voir les images à travers nos chaînes YouTube, mais oh, ils ont qu'il la remarque interdiction formelle, il y a un journaliste et YouTube n'a pas caméra n'a pas bah au carbone cause ma image tout le monde a qui en autant bon qu'une église de la compassion recueillement dans le centre et boboto tout le monde a qui en haut même jour il y avait mortuaire dans le stade Tata Raphaël bah boyaki même jour il y a Roby Misakor comme banana morgue qui non dans le stade Tata Raphaël et surtout que la présence du chef de l'État était là il y a une interdiction formelle et où t'es qui est pas il y a bah organisateur qui bah image bas soit pourquoi cette narobe est une sorte de discrimination en fait. On a dit qu'il y a un journaliste, il y a internet, il y a une image. Voilà, merci pour cette question Naomi. Mm-hmm. D'abord, je tiens à préciser que ma tante et maman Blanche Tounassi, maman Koufa est en Turquie. Hein? Mm-hmm, à Istanbul. On était surpris, corps est commis au Congo. Okay. Et bah, qui bah, gardé corps dans la morgue. En tout cas, il n'y avait personne. C'est ça. Il n'y avait personne, bah, gérer le dossier tranquillement. Et après, on nous communique que le corps se trouve déjà à Kinshasa, gardé à la morgue du cinquantenaire. On a tous lu les communiqués. Okay. Et comme les journalistes, nous sommes là pour collecter l'information, la traiter, puis la diffuser. Exactement. À la recherche d'information, il y a eu en tout cas des barrières un peu partout. C'est ça. Le jour du recueillement, à niveau, il y a collège Boboto. Pas d'accès pour la presse locale. Et tu es dans l'église de la compassion, pas d'accès. Tu es dans le 20 mortuaire, il y a Tata Raphaël, pas d'accès. Et même jour, il y a levé du corps, dans un cinquantenaire. Une fois soulevé la caméra, même téléphone, qu'on filmait. Donc, c'était une décision formelle donnée déjà par les organisateurs. Okay. Alors, beaucoup de chroniqueur s'est plaigné pour ça. Mais comment est-ce que pasteur Marcelo Zobo va filmer? Alors, je vais d'abord dire ici dans ton jeu que Bisso va chroniqueur tout bon ça Moussala. Oui. Ok. Il faut te valoriser Moussala na Bisso. Exactement. Notre travail est à collecter information, au traiter pour diffuser. C'est ça. Mais les gens viennent prendre des informations brutes et puis à publier. C'est ça. Raison pour laquelle il y a beaucoup de répercussions. Bah, retour et amour c'est ça. Il y a des familles qui sont divisés à cause de nos titres. C'est ça. À cause de Biloba Lobanabiso. Ok. Il y a des conflits aujourd'hui partout. À cause de Babadir Nabiso. Ok. Le pasteur Marcelo Aboela, bah, journaliste, accès, il y a l'image. Mais quand même, Moni Neti Morgue à 50 années, c'est vaste. C'est ça. Il a voulu faire passer le cortège dans coin, 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 il y a clôture, il y a morgue. Et c'est vers la sortie, il y a morgue. Voilà, ce que moi, ça le logo, exacté. Ne pas caméraman, bah attaquer ce que le cortège. Bah, on met qu'on filme après chacun à matin na voiture, na moto, pour maintenant suivre le cortège, comme on a cinquantenaire, jusqu'à l'entrée à Stade de Raphaël. Donc, quelque part, tout bon, ça moussa là, tout à la plus professionnelle. Tout aider ma famille à Batou. Mais le copain, je crois, il peut s'agiper, famille Marcelo. Passi okay. Ou bien Kanda, ils ont dit à Denis Lessi. Ah bon? Quand on a dit à Denis, ça a été une opération, une chirurgie, et ça a créé la tension, ça a créé l'incompréhension. Et les gens maintenant commencé à se méfier dans les youtubeurs. Parce que Makambo Denis Saloba qui est où tu es dans YouTube? C'est ça. Alors on a tout résumé que ah, la chroniqueur, la chroniqueur, la chroniqueur. Donc méfiant, c'est qui m'a cassé. Mais quand on a commencé à filmer, quand on a sorti, on a morgue. Tout ça, les courses, la cortège jusqu'à l'entrée à Tata Raphaël. Et nous sommes aussi entrés. On a parvenu à entrer. Mais vu qu'il y avait aussi la présence militaire un peu partout, il y avait un dispositif sécuritaire très élevé. Parce que c'était annoncé que les chefs de l'État et sa femme devraient être là. Devraient être là. Donc, ça aujourd'hui, Sendoui, église à Sonika Futa,
Kalamu, aujourd'hui même première rue, Koidro, Kao Kamatongi, il y a déjà blindé, ciblé. Okay. Vous comprenez? Et il y avait quand même un dispositif, pas les moindres, bah, Moura. Et tu continues dans le stade Tata Raphaël, et maintenant pour accéder au stade, là où les chefs de l'État devraient passer, on a peu comme compliqué. On nous a dit, arrêtez-vous ici. Tu continues dans le Corbillard, dans la suite. Mais juste en entrée à stade wana barrière Isaki wana on a dernière sécurité mukonzamboka et bah profiter pe sousou bah repousser média et donc voilà c'était comme ça et puis le culte s'est organisé il y a eu moment de témoignages il y a eu des temps forts où le pasteur a parlé on a vu tout ça et qu'on sort voilà et c'est encore après lors de l'enterrement sorti à corps et nous sommes encore vivant comme président Kei nous sommes encore venus pour accompagner les cortèges jusqu'à sa dernière demeure. Voilà, les journalistes, il faut pas bon samsala na bango, presse et l'habitude de traiter l'information avant de la diffuser. Jérémy Lemba totika na nka na point wana parce que lobby que ceux qui tombent sous le lot famille à pasteur Marcelo bazo une décision formelle, il y a quoi interdire na presse, ba ko kabongo ko zoba image, il y a matanga, il y a maman Blanche Tunasi, c'est par rapport aussi à propos, il y a à propos pardon, il y a pasteur Denis Lesi, o yo abane ko affirmer puisque il ne parlait pas na ma conditionnelle. A lobaki que non, maman a kende ko ça la ba chirurgie esthétique. Oh, bah, tu vas bien aller le BBL, Colombo, la Bamisouni, en zone, tu vas dans la place, mon sou. Aujourd'hui, cette affaire, et je pense à moi en plein, et le Bamina Minokoya Batou. Et belé, même dans le niveau, bah, nous avons vu le journaliste, bah, ça, la bah, analyse, na poto, na TikTok, c'est ça la version, il y a OMMLI, maman, la Liwa. Jérémy Lemba, pourquoi, et le Kouana, et je en plein. Est-ce que Denis était-il informé de cette maladie, de ce qui a conduit la maman à la mort, ou c'était quoi l'affaire, en fait? Bon, merci pour cette question. Je crois que, Eyaba, tu es aussi une femme. Les femmes ont l'habitude d'embellir leur corps. Exactement. Bah, perruque, et bah, boucle d'oreille. Aujourd'hui, il y a des femmes aussi. Les gens peuvent beaucoup parler. Mais vous, là aussi, chaque jour, vous modifiez le corps. C'est ça. Parce qu'il y a une femme, au moins, elle a trois piercings. Exactement. Dans Zolo. Ils ont modification. Trois piercings dans les toits. Ils ont modification. D'autres les mettent même dans la langue. Ils ont modification. C'est-à-dire que moni, la modernité nous a amené des choses incroyables. L'homme ne veut pas vieillir. Très tôt. A changé peau. Ma foute est combien de hydroquinone, beaucoup de savon et consort. Mais ça nous cause aussi beaucoup de choses. Le problème, exactement. Bah, conséquence dans les années néfastes. Bah, cancer de peau, des choses comme ça, ça arrive. Et puis, bah, blague, bah, modification, bah, corona, et ça, c'est mondain, c'est païen, c'est pas aussi biblique. On ne peut pas apporter une correction à Onzamba Sali. Exactement. Parce qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs façons de vouloir garder sa taille. Il y a des gymnastiques, il y a des massages, consorts. Bon, les camarades, maman, la bisou, il y a BBL, nous, on n'a pas cette information. Mais comme on dit, il n'y a pas de fait sans fumée. Il n'y a pas de fumée sans fait. Tu habites à Sukoyo, Denis Lesi, qui lui a informé à ceux qui nous veulent en Gowapi. Parce qu'au finish, tu as dit que le pasteur Marcelo dit aussi que sa femme est décédée suite à une opération très simple. Alors, il a dit Nini. Il n'a pas dévoilé les secrets. Il y a maladie en Gowapi. Mais Denis Lesi, il a pas de l'opération, il n'a pas de BBL. Donc, cela veut dire qu'ils ont battu la boîte. Soit il y a famille maman blanche, ou bien battu l'église, ou il y a Pessa qui est info sur les réseaux. On a entendu beaucoup d'audio qui est circulé. Et laissez insister sur ça. Et le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas de le dire. Mais je t'ai dit que le moment n'était pas propice. Exactement. Parce que la maman s'est retrouvée encore dans la morgue. Et puis les pasteurs étaient sous le choc. L'église pleurait. Les fidèles pleuraient. En fait, l'église pleurait cette dame. Généreuse. Cette maman, de son vivant, Batoubele va bien dans la Mais on le voit souvent aux côtés de son mari, soit derrière son mari. Parfois aussi, elle prêchait, mais bateau va prier dans la compassion. Bah, il est bien par rapport à la bisou basous. Na ba réunion, na bango, les rencontres, sa présence et consort. Mais on a vu quand même ses actions sur les réseaux sociaux et on a tous compris qu'elle était une maman généreuse.
Elle est très belle de figure, très belle de taille. À ça les vinaïs et puis sans polémique, hein, pas trop télévision. Et puis son mari l'aimait beaucoup. Son mari parlait beaucoup plus d'elle dans ses exemples, même quand il prêchait. Donc voilà, c'était quand même une relation assez, je dirais, yakitoku. C'est ça. Vous comprenez? Donc le pasteur Marcelo, il se retrouve comme un orphelin aujourd'hui. À perdre maintenant compagnon de lutte. C'est ça, partenaire de prière. Partenaire de prière, une conseillère privée, une mère de ses enfants. Et puis, Baba Nagui Bolingona Bango Bangi trop jeune. Exactement. Selon les témoignages à pasteur. Pasteur Marcelo avait 25 ans et elle avait 15 ans. Voilà. Donc, Baba Nagui Kana, Nzela Pega le Sambo, Nzela Ba Église, tout ça. Et c'est parti comme ça. Voilà donc. Je crois que Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Denis Lay, si les moments n'étaient pas propices, est-ce que Denis Lay Sazali, la bouche officielle pour annoncer aux gens maladie à maman ou à Poufina? Bon, et ça, erreur, l'erreur est humaine. Hein? Mais ça devient de trop. Moi, je ne veux pas séparer les hommes de Dieu. Ok. Le pardon est une puissance qui libère. Jérémie, j'ai entendu qu'il y a déjà une plainte qui a été déposée pour Denis Lay. Ok. Bon, je ne sais pas si cela est vrai. Namoni nanga mandat d'amener. Puisque aujourd'hui Denis Lay Sahé qu'on refaire une émission pour dire que non, il n'était pas la seule personne. Il y a Koloba Yango, il a des audios qui circulent. Oui. Il a dit que non, maman Macron on peut baloba qui Yango on ne peut pas affirmer. Alors que dans c'est dire, il n'a pas utilisé les conditionnels, il a voilà. affirmé. Alors ça n'est un peu de trop puisque la émission est belée à Denis Lay Sahé. Il est la personne où il y a qu'à refaire Bisso croire que il connaît la vie, la vie de tout le pasteur du monde. Alors ça, ce n'est pas bien. Nous sommes en train de décourager. C'est pareil, acte, moni. La vie humaine est sacrée. Okay. Nous avons tous nos vies privées. Alors, les Camerounais sont choqués parce que moni, le pasteur Marcelo Zolé, la moissinaï. Moi, ça en a morgue. Moi, ça koufi. C'est une disparition inopinée. Exactement. Donc, Lyon Moroboué, il est brutal et brusque. Il ne s'attendait même pas. Même pas. Parce que maman Dieu ne l'a même pas révélé aussi. Il y a un peu de problèmes. C'est ça, Jérémy. Donc, le pasteur Marcelo s'attendait à tout sauf la mort de sa femme. Ok. Est-ce qu'il y a une révélation? T. T. Question mark. Est-ce qu'il y a un autre dans l'église, ma frère, l'église corps de Christ? Mon église, il faut là. Il faut que le Saint-Esprit soit au centre d'une église. Mais Jérémy Lemba, est-ce qu'il y a une bandeau, est-ce qu'il y a une révélation? Soto zongi na discours, il y a pasteur Marcelo, il y a quelque part où il a dit que sa femme, une fois, Babenga qui est à Tounier, tu ne manges pas avec nous. La femme a dit qu'il y aura un jour où vous mangerez sans moi. Et après, il y a encore un jour où sa femme lui avait dit que, chérie, si je mourais aujourd'hui, est-ce que tu te remarierais? Et sa femme lui a dit ça. Sauto l'a dit discours à pasteur Marcelo. Vous allez entendre ça. Tout ça là n'était pas de message. Est-ce que pasteur Marcelo était dans la carte de distraction ou le Saint-Esprit l'avait aveuglé pour ne pas comprendre le message? Alors, tu as tout dit, je pense. Tu as dit des choses qui sont claires. Okay. Alors, dans le domaine de la spiritualité, il y a beaucoup de réalités. Okay. Le pasteur a aussi beaucoup dit que sa femme était quelque chose de cher pour lui. C'est ça. Que si aujourd'hui il perdait sa femme, et donc, perdre pouvoir, toi perdre l'eau moins chère pour Naï. Okay. Alors, Roger Baka dit que l'homme avait exposé sa femme. Ah bon? L'homme avait dévoilé ses secrets, que son point fort était sa femme. Okay. Parfois, si le diable aussi a en profité. Okay. Ça, je ne sais pas. Mais si la maman dit, donnait déjà des messages d'adieu, des messages d'adieu, naba, je dirais, comment dirais-je, dans ma solo, dans ma distraction. Ouais, ouais. C'était peut-être un homme de Dieu à discerner message. Pourtant, lui, il avait dit à la femme que non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi tu dis ça? La femme a dit que c'était juste une question. Il a dit, il faut retenir l'esprit, Wana. Ce n'est pas un bon esprit. Alors que le pasteur Marcelo qui avait demandé à sa femme de retenir l'esprit, lui-même n'a pas si retenir l'esprit. Comment? Non, justement, il y a peut-être la présence d'esprit. Ok. Parce que là, maman, c'est compliqué. Le mystère de la mort, c'est compliqué. Mais, ndenge ba salian, zambalobara, souvent que, moutoussoura nga kouf, on dira yeba. C'est ça. Il peut vous laisser des petits messages, des choses comme ça. Et après, vous allez comprendre que non, oh, c'était un message d'adieu. Donc, voilà, nous devons bien prier. Prier dans la profondeur pour que Nzambepe arrive là. Alors, Jérémy Lemba, ce qui est au zong à l'issue de ma maté à pasteur Marcelo, puisque au moni, deux fois nos pasteurs nous prêchent, mais quelque part on dirait que bah, on va comprendre. Pasteur Marcelo qui disait
que je me demande, les gens qui perdent leur femme, comment est-ce qu'ils vivent? Parce que moi, Blanche me rappelle la tasse, la brosse à dents. Chaque matin, quand je me réveille, je me mets à ses côtés. Tout cela n'était pas de message. Et aujourd'hui, Pasteur Marcelo est devenu veuf. Est-ce qu'il saura nous expliquer la douleur de cette disparition? Mais il a parlé hier au stade Tata Raphaël, il a tout dit. Il a même tenté de ressusciter sa femme à plusieurs reprises. Malgré le Saint-Esprit lui disait que ta femme est morte, elle est partie. Lui disait non. Azosa la prière. Ah, il a même dit qu'il a même ouvert ses yeux. Oui, il a prié. Il a prié comme il n'a jamais prié pour une personne. C'est ça. Il a dit. Donc il a mis sa foi en jeu. Il voulait tester le Dieu qu'il sert. Il voulait expérimenter quelque chose qu'il n'a jamais fait. Mais le Saint-Esprit lui parlait. Il a dit même que dans, il était isolé dans une chambre. Pendant qu'il priait, a senti odeur et parfum de sa femme un peu partout. Et c'était son esprit. C'est ça. Et le Saint-Esprit lui a encore dit que voilà, elle est partie. Elle n'est plus. Lui continue à dire non, elle est là, ma femme est vivante. Tu comprends? Arrivé même dans la morgue, tant à côté de la morgue à Istanbul, l'obi à sali du soupe. Donc, l'homme croyait à un miracle extraordinaire. Il croyait à un miracle surnaturel, malgré la côté morgue. Elle peut toujours se réveiller. Bon, je ne sais pas. Ma serviteur de Dieu va vous expliquer, Bissot. C'est ça. Parce que avoir des pareilles foi, dire des choses comme ça, est-ce que c'est bien ou mal? Je ne sais pas. Mais lui, au moins, il a tenté, il a insisté sur que sa femme soit ressuscitée. Alors, elle est décédée. Bref, paix à son âme. Hier, on l'a enterrée. Mais on l'a enterrée. Jérémy Numba, on va rentrer dans le message de Pasteur Marcelo pour la salle de témoignage lobby. Mais j'aimerais tout zonga à l'issue de ma terre. Plus que moni, ma terre, sous ma terre arabie, il faut tout zonga en considération. Le Pasteur Marcelo qui a dit qu'il ne faut jamais négliger sa femme. Ou toi, négliger moi, si elle négligeait moitié, il y a destinée. Le Pasteur Marcelo qui a dit Dieu sera l'inga utilisé, à travers ta femme. Il peut t'utiliser à travers ta femme au salib à Mamsous, mais le diable également peut te frapper à travers ta femme. Donc, si le diable veut t'humilier, si le diable veut te frapper, il peut te frapper à travers ta femme. Est-ce qu'on peut dire ça, c'est une frappe? Ah! Qui suis-je pour le juger? Ok. Qui suis-je pour dire que nous avons maintenant frappé Pasteur Marcelo? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Est-ce que la mission sur la terre, il y a maman Nabisso Blanche, avait déjà pris fin? Je ne sais pas. Vous comprenez? Parce que toi, il y a une mission précise. C'est ça. Peut-être, parcours il y a maman pendant 18 ans auprès de son serviteur, il y a une mission accomplie. Vous comprenez? Alors, qui suis-je pour dire que la maman est partie très tôt, peut-être les distractions, saliboye. Donc, ma sola liwa, maman, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Tu peux imaginer, la maman avait tout. Des jeeps, les voyages, l'argent, tout ce que l'homme peut posséder sur cette terre. Elle en avait. Et son mari fut un pasteur. Pas n'importe quel pasteur. Un pasteur qui prêche la pureté, la sainteté, le Saint-Esprit et consort. Mais maman Koufi, elle a quitté. Opération simple, comme disait son homme. Mais maman a quitté. Alors, Bissou de Tikali, ils appellent enseignement, ils appellent leçon. Toi, Barangou, que nous sommes tous mortels. Le plus important, c'est de marcher selon la volonté de notre Dieu. Vous comprenez? L'homme qui est bébé, la haine, la jalousie, les gens s'entretuent. Ma bé, et j'ai place à ma lame. C'est ça. Kindoki. On peut vous éliminer comme ça à cause de rien du tout. Exactement. Quelqu'un qui n'est même pas détruit. T'as là comment est-ce que les gens maintenant évoluent? Là-bas, insultent. C'est ça. Donc nous sommes divisés comme ça. Et surtout ça, que même lui, ouais, pasteur, il y a moi, ça, pasteur Marcelo, j'ai constaté, Jérémy Lumba, que ma wanamité m'a battu les athées. Certaines personnes balobi, pasteur Marcelo, yo, c'est kaki liwa papa wemba.
Pasteur Marcelo, au lobby de l'église catholique, ils allaient salle d'attente pour aller en enfer. Donc, certaines personnes ont fait mention, il y a Babylon à Pasteur Marcelo pour. C'est un humain. Vous savez, parfois, je vais aussi demander à nos pasteurs, moi, maîtrise, Pézala. Parce que. Ils ont un peu blessé à la prédication de pasteur. Il y a aussi des choses comme ça. Surtout, il y a pasteur Marcelo. Conflit presque. Et puis, il disait tout haut à l'obi, moi, je sais la vérité. Haïssez-moi si vous voulez. Voilà. Si vous allez m'aimer, aimez-moi. Si vous allez m'haïr, haïssez-moi. Malgré ça, la mort de sa femme, ils ont occasion pour que tout s'éclate, pasteur Marcelo. C'est ça. Peu importe ses défauts, ses erreurs, mais tant sa femme a koufi, elle a l'occasion de te dénigrer, pasteur. Non. Tu peux sa merci à Dieu Tout-Puissant, le Créateur incréé. Il y a Pesaka, il y a Zouaka. Vous comprenez? Donc, je crois que les erreurs du passé, c'est aussi corrigeable. Voilà, Jérémy Lumba. Un autre point aussi, je crois que c'est deuil a regroupé plusieurs pasteurs. Exactement, c'est de ça même qu'il a dit. Pasteur est bien hypocrite. Au bazar, il y a rancune, il y a conflictuel. Mais dans ma tête, la maman blanche, il y a le roi, il y a sans tout. Mais quand même, nous sommes contents de cet acte. Le geste est louable. Il faut compatir le pasteur Marcelo. Mais nous allons vous demander aussi de garder l'unité. Ils ont été hypocrisie. Bon, mon ami, bon, les larmes de crocodile. Après, conflit. Alors, ce qui n'a dit ma témoignage à pasteur Marcelo, Jérémy Lumba, c'était vraiment très important. Tout prêter pena oreille pour toi, Kayango Malam. Pasteur Marcelo qui a dit que tant moi, si n'aya koufa qui n'a aéroport, bah, pasteur ou bayamba qui est bah, prophète, moussou, bah, pesa qui est bah, versé et belé, autant moussou na kanga qui était pour na reproduire. Ah, ouais. Mais parmi bah, prophète ou bah, pesa qui est versé, bah, pesa qui est na Esaïe, soki Ezekiel comme ça, ou bah, bande kolaksa qui est moutou, a koufa qui a kenda qui, mais après la mort de cette personne qui était parti, c'était la guerre Nekotaki. Je crois peut-être que vous allez étienne comme ça. Guerre et côté Namouk. Alors, pasteur Marcelo essayait de comprendre. Il a demandé au Saint-Esprit, est-ce qu'après la mort de ma femme, ça sera une guerre au pays ou la guerre dans mon église ou quoi que ce soit? Mais le message est acquis contraire pour dire que les guerres, c'est-à-dire réunification, il y a pas pasteur. Alors, en tant que Batounier, quel message voudras-tu qu'on mette dans la Katia photo? Oh, bandez ma message, Batiaka, nous ne t'oublierons jamais. Ceci, c'est là. Pasteur Marcelo, cela le bas qui est acquis, aimez-vous, pardonnez-vous et unissez-vous. Ça, c'est le message de Maman Blanche. Elle parlait de ça à l'église. Il y a un reproduire en gros partout dans ma fiche. Et tu as le rôle à serment. L'église n'a pas la compassion. Alors, Lucas. Il y a une libino promotion, il y a réduction, il y a 30% dans ma produit, dans ma vie, surtout naturel et cosmétique. Il y a traitement naturel et cosmétique. Pour un problème, il y a santé. Ndeko za la problème y a hémorroïdes, stérilité, tension, diabète, nerfs sciatiques, estomac, myome, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mboudi, bandeko boya ba solution ezali. Ba kisi ezali ebele, eza très efficace. Tobuki ba prix na 30%. Côté cosmétique, toza la ba produit na biso tel que Thémétis, toza na Thémétis. Tous en la crème de beauté Mika, ma foute à copacola, tous en la savon la bisso gommant, ou ils ont traité. Ils ont contre ma tache, ma acné, ma bouton, puis ma vergeture. Tous allés na savon noir na bisso, ou ils ont traité, ils ont à l'aise na douche, ils ont protégé contre moi, ils ont très efficace. Tous allés na crème de visage na bisso, ils ont embellir et long, ils ont rendre le lisse et très propre, très agréable. Tozali na huile d'ananas, solution angoyo pour na ba peau sèche nyon surtout, solution ezali. Tozali na lotion tonique pour na ba ta tampon, tozali na lotion tonique pour na ba o bazan na tampon té mais peau ezali abîmé. Tozali na gommage fait à base de café, ezo rendre longi propre, ezo longola ba bouton, nyon surtout ezo kéné na ba graisse. Tozali na pommade à souki pe huile ya souki, ezali très efficace. On a problème à libandi. Souki kola ka bien té, ba produit yango est très naturel et bon qui s'abat très naturel car on n'est maman l'obé pommade anti sola ma pétale les gros alin a problème solo au dégage à cause transpirata mingi solution en way et
pommade anti-solama pika. Bobo sanate, toza na promotion, réduction à 30%. Na ba produit na biso, nyon sotou. Kote wana tobuki na biso. Kote ou toza na ba kis na biso pe ya poussière, oui. Ya bo koko. Nde kwe si ko zale za mousika, ba produit a ma ezo yate, ba kis ya poussière ya ngoyo, oko mela, na ka ya maladi nyon sotou o mamami katanga ki awa, oko zwa solution na yo. Benga biso, na plus 243, 89, 98, 27 674. Adresse Nabiso Tozan, la commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pose numéro A17. Bonne stérilité. Bande konanga basozo koka ko concevoir te. Solution yango yo eye. Papa ozo koka ko pesa zemite. Ba kisi yango eye eza très efficace. Boya ebele boko zala desite. To buki ba pri ngai 7e naza awa. Ngai 7e baga naza awa. Bye. Une réconciliation ne peut pas se faire au lieu du deuil. Ah bon? Mais la Bible nous dit. Pasteur, la Bible nous dit que mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que pendant le deuil, c'est là où maintenant bah tu vas reprendre conscience. Oui. Donc, c'est-à-dire que tout se pèse, tout Dieu peut babi, nous surtout nous avons créé à cabo occasion tout à ça là au hasard. C'est un premier pas. Ok. C'est un premier pas de se saluer, de se voir, de compatir avec le collègue qui a perdu sa femme, okay. Un grand pasteur et consort. Mais après cela, réconciliation, pasteur, ça doit se faire logiquement. Il faut écouter la réunion, l'association, ce qui est que je vais facilement. Parce que, je dis maman Blanche, elle est ici parce que je vais aller à la maison. Pasteur Marcelo, et ça n'est pas si. Et touché même. Dans le couple présidentiel. Exactement. Maman Denise a eu, je crois, deux fois. Samedi et lundi. Le président Fatih Atiki, en fait, l'occupation n'y a surtout à eux s'incliner devant la dépouille mortelle. Aujourd'hui, on a marqué qu'il y a reconnaissance. Cette dame, ah Seigneur, pourquoi elle? Elle devait encore vivre. Mais Jérémy Lemba, il faut tout analyser Babiloko profondément. Puisque. Avant que le message au pasteur Marcelo Abet Ali Solo a initié nous et tout le pasteur, tu vas te souvenir que jour il y a Tabaski, il y a des musulmans, le chef de l'État, Azala Kiwana, il avait pris part. Tu sais le message qu'il avait annoncé aux musulmans, c'est de s'unir. C'est que ce pays a besoin de l'unité. Bien sûr, mais je l'ai dit, mais au Congo nous sommes divisés. Il y a des clans, même en politique, même la presse, corporation, pasteur, même les musiciens. Tu suis régulièrement, tu regardes les débats. Et donc, mais Bango Baza va passer, Bango va père spirituel. Bango Nde, par exemple, à suivre. Bango va prêcher d'abord l'unité et l'amour. Pour que Bissopé Bandimi, tu côtes dans le même bateau dans Bango. Donc voilà, présence de pasteur, ils ont bien. Mais ça ne garantit pas l'unité. Parce que beaucoup d'entre eux sont des hypocrites. Beaucoup aussi, ils ont la tendance à morter. Il y a des vrais, il y a des faux. D'autres viennent seulement pour apparaître. Donc il y a beaucoup de réalités dans ces histoires. Mais en bref, je dirais, bah Congolais, bah Lili, maman pasteur Blanche, na honneur. Exactement. Na histoire à Congo, na hébité. S'il y a une épouse d'un pasteur, oh, bah Lila y est na grandeur, il y a maman Blanche. Le stade de Tata Raphaël rempli deux fois. Le jour il y avait mortuaire, le jour il y a exposition encore. Plein de Congolais, plein de monde, plein de chrétiens. Et ça a bandi la compassion. Ouais, il est partout. J'ai vu les. Même les membres ont assuré sécurité. Il y a Bob Sekwana. Hier, j'ai fait une interview avec un maître, Maître Vipère. Il est maître sportif mais chrétien. Il a assuré la sécurité au sein du stade. Tu sais, il vient d'où? De l'église Philadelphie. Ah bon? Donc, on dit qu'il y a l'église Sanganaki, comme un seul corps. L'église corps du Christ. Corps du Christ. Pour soutenir, pour compatir, pour apporter aussi l'air main forte à l'église de la compassion. C'est comme ça, l'unité. C'est ça. C'est une bonne image. Donc, maman, vraiment, en tout cas, tu vas les lier. J'ai vu des mamans, ah, moi aussi, Kitoko. Contrairement à papa Barouti. Non, pasteur Barouti, son corps était au niveau du Canada. Et ils ont rapatrié le lobby, je crois, l'un des quatre matins. Et ils ont à Kinshasa. Et tu vas aussi voir que lui aussi, il aura des hommages mérités.
Parce qu'il y a Azali père, Aza Baoba, Aza patriarche. C'est un monsieur qui a sauvé plusieurs âmes. Son témoignage est positif. C'est ça. C'est un pasteur qui avait gardé quand même son alliance avec Dieu. À celle de la bêtise, le parcours on a eu Tokuti, le scandale, le parcours on a eu que des éloges, des bons témoignages, des bons souvenirs. Pasteur Barout, il mérite un double honneur, comme dit la Bible. Et vous allez voir que Stade n'a eu à Tata Raphaël et aux Alapé plein. Parce que déjà, il gérait toute une grande communauté. Vous comprenez? En dépit de ça, l'église corps de Christ, il faut pas rendre hommage. Un père modèle, fidèle avec Jésus-Christ, exemplaire, qui s'est marié d'une seule femme. Vous comprenez? Donc, Azali Koko Nabiso, Azali père Yamolimo, Torosa la peine pour soutenir les restes des événements et à Pascal Barouti. Merci beaucoup, Jérémy Lemba. C'était vraiment important qu'on en parle, puisque et Maman Blanche, c'était une femme comme moi. Je t'ai dit que la journée, surtout d'hier, j'étais dévastée. Au fait, Nabandé, comme il m'a dit, n'a pas été. Mais après, je me suis dit. Tu as aussi oublié beaucoup de prophètes. Je ne sais pas si c'est ça. Hein? Ma prophète, mais je ne sais pas si prophétie. Quand mon maman vient à Bomoï, je ne sais pas si c'est ça. Même dans leur église, là, c'est ça. Aucune révélation, aucune c'est prophétie. Aucun message. Il y a même une dame qui a dit que non, elle saura ressusciter la maman. Soit disant, la maman était partie avec une grossesse d'un mois. Et non, il y a un prophète qui a dit que maman Bimile Nandoto a ébissé qu'elle a couvert un mois. T'as la dimension qui nous dit. Si vous avez maman un mois, parce qu'il ne faut pas ça, animal long ou long. Non, non, dans le sens que il veut nous embrouiller que maman a couvert un sous Zemi. Voilà. Vous comprenez? Donc, Congolais, bazar. Prêt à tout. C'est ça. Les gens fabriquent des prophéties. Les gens fabriquent des miracles. Et sachez les que. Un médium peut te monter bangoté puisque bah y a rien. Mais quand c'est lié à un médium, quand il dit que maman Bimile Nandoto. Bangou bazaga soit mutakufi. Bangou soit quoi mutakufi Bimile Rabangou. C'est ça. Donc pour te dire que bazar n'est pas tout bagarre qu'on évoquer les esprits de mort, la nécromancie. Eh mais oui. Et c'est bizarre. Eh mais ils seront sévèrement frappés hein. Parce qu'on ne joue pas avec le Saint-Esprit. Même les demi décès de Ngefa aussi, parce qu'on n'a pas constaté les après. Ngefa a respecté l'âme de Maman Blanche. Et Azagi est vraiment loin de la polémique. Il a dit des choses au Yayebi. Et il a même condamné Denis Lessi. Parce qu'il a créé que moi tension. Et les gens disent qu'il m'a porté plainte. Et lui aussi, il a une femme. Mais on a tous des femmes. C'est ça. Non, pas du tout, mais sa femme est même aussi reconnue. Elle est aussi maman pasteur, la maman Tina Lessi. Maman Tina Lessi. Oui, oui, elle prêche aussi dans l'église et tout, Jérémy Lemba. Voilà, merci. Merci à Mimi Ndoumé depuis Mouching là-bas, en Allemagne. Les célèbres Dien Zundu à Washington. Il y a le Zombala de Madrid. Le vieux Justin Panzou, le grand Mouyombe depuis Londres. Il y a Justin Panzou, le grand Mouyombe à Londres. Je n'oublie pas Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi, Forza Italia. Et pourquoi pas, il y a le Zombala de Madrid, maître Sizasuka, ma puissance amie Kili. Merci à tous les serviteurs de Dieu hein, qui nous suivent, qui nous captent partout sur votre chaîne Équilibre Télévision. Je dirais encore clin d'œil spécial à qui le Muntu Fumuzing, Jean-Claude, chef coutumier à Paris. Mon vieux, Gérard Sadam à Manchester. Les célèbres Dien Zundu à Washington, très fort. Mimi Ndoumé, na Mouching là-bas, en Allemagne. En tout cas, on est de cœur avec vous. Que Dieu nous bénisse. Merci à toi, Naomi Yaba. Merci, Jérémy Lemba, et merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Moi, c'est Naomi Yaba. Nalingibino, tellement à trop. Merci à mon partenaire anonyme depuis quelque part. Merci à tonton Blaise Dewaba depuis le ZSA. Maman Lisa Loboko, on a pu se bambou théâtre. Un grand merci à Bato Toubalinga. Nga, ceux qui nous ont bien à zone de Koutanambala Sima. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.